Bien Bonjour. sûr, Solidaire d'abord, cette émission sur Fréquence 7, où nous essayons de décoder ce que ne décode pas la presse mainstream. Donc euh, aujourd'hui on va parler encore des retraites, forcément on va en parler un peu encore parce que le combat est loin d'être fini. Et on va parler aussi d'un scandale, scandale d'État, qui, qui dure depuis 20 ans euh, par rapport à EDF, hein, sur ce qui s'est passé. Alors cette histoire d'EDF est très longue et il faudrait remonter à 1945 euh, au moment où elle se crée euh, pour, pour pouvoir décoder tout ce qui se passe par rapport à EDF. Et puis, euh, évidemment, il faut réactualiser le quiz de, de Denis. Alors, est-ce que vous vous souvenez du quiz Est-ce que Denis, tu peux nous rafraîchir la mémoire Oui, alors voilà, c'est le quiz. Alors, le 1, je me présente sous plusieurs formes. 2, j'ai au moins deux couleurs de base. 3, je suis présent dans l'alimentation. 4, je suis issu principalement de deux végétaux. 5, je peux être un ami, un ami comme un ennemi. Qui suis-je Réponse à la femme. Donc, pendant qu'on est en train de régler tout le reste de l'émission, c'est-à-dire des choses complètement anodines par rapport à ce quiz magnifique, euh, eh bien, euh, euh, vous pouvez réfléchir. Voilà. Alors, la première chose, c'est sur actualiser ce qui s'est passé sur les retraites. Euh, la première chose, c'est qu'on a vu que Macron 2 est beaucoup plus ouvert que Macron 1. La preuve, euh, par exemple, quand on a eu la première réforme des retraites à point, là, souvenez-vous, il y a eu cinq mois de débat à l'Assemblée nationale ouverture magnifique du deuxième quinquennat de Macron, cette fois-ci, deuxième retraite, deuxième réforme des retraites, dix jours à l'Assemblée Nationale. C'est-à-dire, la discussion est vachement plus ouverte, quoi. Avec le 47-1 euh, au-dessus, là, qu'ils ont comme une épée de Damoclès au-dessus de la tête, et, en fait, que dix jours de débat au lieu de cinq mois. Et oui, c'est Macron 2. C'est beaucoup plus ouvert. Oui. Alors, ouais. oui, surtout que la première fois, on a échappé le mal, parce qu'il avait mis le 49-3 chez Édouard Philippe. Mais bon, on a eu le Covid qui nous a sauvés momentanément. Mais voilà, nous re voilà repartis. Alors, plus avec Delevoix, parce que Delevoix, il y a eu une super casserole. Ah, oui. Mais maintenant, c'est notre, notre voisin d'Annonay, c'est du sop oui mais d'ailleurs en fait de euh, le avait déjà plein de casseroles c'est à dire qu'on a vu qu'il est d'une part il avait mis la main dans le pot de confiture déjà à plusieurs moments et puis en plus il racontait des, des cracks mais il continuait à raconter des cracks c'est toujours les mêmes cette fois ci on avait quand même le ce, soi-disant cette avancée extraordinaire des 1200 euros tu sais euh, oui. tout le monde deux millions de personnes qui allaient avoir accès à 1200 euros et puis petit à petit ça s'est réduit comme pot de chagrin et on se retrouve avec peut-être 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 15 000 personnes qui seraient euh, oui. les, et ces 15 000 personnes s'ils avaient ces 1200 euros c'est que en fait ils seraient presque 1200 euros et ça jouerait de 30 entre 30 et 50 euros sur leur euh, ah, sur, oui. sur, sur leur retraite c'est à dire c'est des gens qui seraient à 1170 et qui passerait à 1200 quoi ah oui, une avancée euh, majeure ah oui c'est minime voilà. et donc ouais alors, et donc, ils ont été obligés de re revoir ça et même sop est parti euh, la queue entre les jambes hein, à plusieurs moments parce qu'il s'est fait bâcher hein, par rapport à ça hein. c'est quand même euh, super ça a, menteur là, hein. ça a été très très tendu à l'Assemblée Nationale très très tendu ouais et puis il n'y a pas que ça hein, c'est que euh, cette ces mensonges qu'on qu a un petit peu à tous les étages alors ça fait penser à ce qui s'appelle la novlangue, alors par rapport à la novlangue on avait un petit élément sonore euh, que tu euh, que tu as voulu qu'on qu mette Amalia. Donc euh, c'est ce que nous dit M. Ruffin. Un discours qui est extrêmement chloroformé. Vous savez, c'est même plus la langue de bois, parce que le bois, c'est quelque chose où on peut se taper dessus, on peut se heurter à ça. Aujourd'hui, c'est la langue de coton. On nous met de l'éther, on nous endort, on nous est compromis, dialogue, accord, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Et ça se répète. Vous avez un, un étalage de formules creuses pendant une heure et demie. Et en vérité, derrière ça, il y a une grande violence des décisions. Donc évidemment, c'est enrobé comme il faut, mais au fond, derrière les décisions qui sont, on par sait pas, et, et, et burn, sont des décisions d'une grande injustice. Voilà. Oui, oui, ben oui, parce que en fait, le gouvernement utilise la langue comme une véritable arme, en la détournant, en l'édulcorant de, de diverses façons. Et euh, on se souvient par exemple de l'inénarable euh, croissance négative. Enfin, <laughs> euh, voilà. Et euh, je, moi je vous conseille vivement des vidéos qui, qui, qui datent, qui commencent à dater déjà, mais qui sont toujours d'actualité, euh, de Franck Lepage euh, qui, qui, ouais. avait, qui fait des, ouais. mh, des conférences gesticulées et qui organisait à l'époque des stages de désintoxication de la langue de bois. Ouais. Et là, très récemment, c'est François Bégodeau qui a sorti un livre sur le sujet, où il essaie de démonter un peu tous les mécanismes, justement, de, de ce détournement de la langue. Parce que le détournement de la langue, ça permet aux gouvernants de, de, de manipuler la population. Et, et voilà. Et donc, à travers une quarantaine de mots, euh, il traite ça avec beaucoup d'humour, il, il démonte un peu ses mécanismes euh, et, euh, et il essaie de mettre à jour les véritables intentions de, des, des personnes qui, qui les utilisent. Voilà, ça s'appelle Boniment euh, de François Bégodeau et euh, sur la couverture on voit un magnifique euh, pipeau. <laughs> Merci Amalia. Voilà. Et donc, euh, ouais, il y avait une émission euh, cette semaine, le 16, euh, le 16 février, sur, sur la 5, qui s'appelle, euh, cette émission s'appelle C'est ce soir, c'était à 22h45. Il y avait Michael Zemmour, entre autres, il y avait euh, Gérard Miller, et il y avait un mec du gouvernement qui s'appelle Guillaume Casbarian. Et donc, ce mec-là, c'était complètement fou, la langue de bois poussée à ce niveau-là, quoi. T'avais les gens qui étaient en train de lui dire, il y a un problème. Il regardait les gens avec un grand sourire, en train de dire, euh oui, tout va bien. <laughs> c'était ahurissant. Et euh, donc, il y, y avait Gérard Miller qui, à un moment, a pété un câble, mais c'était tellement invraisemblable que voilà, c'était fou. Et, et euh, donc, dans, dans, dans le cadre de cette euh, novlangue, hein, par exemple, ou de cette façon de convertir euh, le, le, un discours en essayant de le rendre positif alors que c'est pas vrai, par exemple, le MEDEF nous parle de plans de sauvegarde de l'emploi quand ils veulent faire un licenciement, tu vois. Tout à fait c'est vachement bien comme truc et puis sou, souvenons-nous quand même maintenant on parle de collaborateur moi je suis désolé mais moi je serai jamais le collaborateur de personne j'ai pas envie d'être un collaborateur hein. euh, j'ai pas si et vous a... avez envie d'être collabo mais moi je suis pas collabo quoi tellement de mots comme ça ouais. Ouais. Il y a quand même là la connotation nazie en plus ouais, hein. ouais. et puis ça a été vu parce que alors, en fait ce gouvernement cette nouvelle langue euh, libérale elle elle prend plein plein de choses sur la, la, la les conceptions économiques du nazisme hein. c'est ouais, pas un hasard. C'est ouais, pas, fait... pas rien. Et ouais, ça oui. empêche de penser. Ça empêche réellement de penser. Quand un mot est détourné comme ça, ça empêche de réfléchir. Wow. Et ça ouais. fait forcément penser au livre de 1984 de George Orwell, où, quand même, à un moment, on se retrouve avec des, des trucs complètement ahurissants, où, où, en fait, on se retrouve avec la paix, c'est la guerre, ou bien la liberté, c'est l'esclavage. Ça va jusque-là. C'est-à-dire, on vous explique que, finalement, être esclave, ce n'est plus du tout euh, euh, avoir des choix à faire. Donc, en fait, c'est la liberté, quoi. Oui, hein oui. Euh, c'est. <laughs> Voilà. Hein, euh, bon, euh, en, aussi, euh, la façon dont on nous parle des ressources humaines. Hein, euh, tu sais, dans les entreprises, tu as, as le bureau des ressources humaines. Avant, on appelait ça presque le bureau des licenciements. Hein. <rire> <rire> Maintenant, ils appellent ça le ressources humaines. C'est joli. Voilà, et tout est comme ça euh, un peu travesti quand on parle de compétitivité <laughs> Bruno Le Maire et sa compétitivité oui mais compétitivité ça veut pas dire acheter, euh, prendre des machines plus performantes ou, ou améliorer les conditions de travail. Compétitivité, ça veut dire les actionnaires qu'ils aient un peu plus d'argent encore à la fin. Voilà. C'est ça la compétitivité Où dans le plan libéral. Et, et la retraite n'amène pas de compétitivité. Donc non. il faut la réformer. Parce oh. que cette réforme, cette retraite par répartition, elle a rien à voir avec la, PAC, la, réforme, la retraite à capitalisation. Ouais. Et ils voudraient, eux, qu'il puisse y avoir du fric et qu'il puisse y avoir des dividendes dans tout ça. Bien sûr. Ouais. Oui, je t'ai coupé. Oui, des perles comme ça, euh, plans de, de sauvegarde de l'emploi par exemple, voilà. ou voilà, voilà. des choses comme ça. Ouais. Alors, c'est vrai qu'on s'est retrouvé avec ce débat euh, euh, entre euh, presque d'un côté les syndicats et de l'autre côté les politiques euh, dans, dans, la, dans la quinzaine qui vient de se passer, où en fait euh, euh, certains syndicats euh, auraient voulu que se discute à l'Assemblée l'article 7. Mais euh, je ne sais pas si ça aurait eu un grand intérêt parce que de toute façon euh, la, le truc est plié, et ils ne veulent pas en discuter euh, de, de revenir sur l'âge ou quoi que ce soit. Donc je ne sais pas si ça aurait amené. Euh, Grand chose. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Ben, c'est le, le Conseil constitutionnel qui risque de le sanctionner, oui. si ce n'est pas voté au Parlement comme ça n'a pas été, euh, ça risque de, de le Fabus risque d'être obligé de se réveiller ouais. et de, de, de bosser un peu pour, pour savoir si c'est légitime ou pas. — Et au passage, on voit que les médias traditionnels euh, fustigent tout ce qui est de la NUP et particulièrement de LFI parce que, entre autres, Laurent Berger a dit bah, « Pas discuter de l'article 7, euh, c'est pas bien, quoi. Donc si vous déposez tous ces amendements, on pourra pas discuter de l'article 7 ». Mais est-ce que ça valait le coup Enfin voilà, c'est une vraie question. Je sais pas. Une vraie en, question, tout cas, ouais. en tout cas, surtout avec le 47.1, bah, c'est sûr qu'on pouvait pas discuter de l'article 7, quoi. C'est surtout parce qu'il y a le 47-1, il faudrait quand même appeler un chat un chat. Hein, le, le, C'est parce qu'il n'y il a pas 5 mois de, de débat à l'Assemblée nationale que les articles ne peuvent pas se discuter. Ce n'est pas parce qu'à un moment, il y a beaucoup d'amendements de protestation contre cette loi injuste. que... Voilà. Non, non, il n'y en avait pas plus que d'habitude. Les amendements, il y en avait 20 000. Voilà, voilà, à Mais ce n'était pas non plus, il y avait des fois beaucoup plus. Euh, après, c'était un coup de poker, à mon avis. Il a, le LFI a fait un coup de poker sur le, peut-être en pensant que le conseil constitutionnel allait retoquer, ouais. que je sais pas, on aura c'est la suivante. Alors, on a vu aussi Aurélien Pradier, alors quand même un mec de LR, hein, quand même, qui, qui se fait euh, tacler par euh, Ciotti, qui, euh, qui finalement même le démissionne, hein, puisque Aurélien Pradier était numéro 2 euh, de, 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 des députés euh, LR. Hein, et il, euh, Ciotti, il a démissionné parce que euh, bah, il a trouvé que ce n'était pas intéressant ce qu'il disait, puisque pour, à Aurélien Pradier demandait à ce que les gens qui font des carrières longues... N'est pas plus de 43 ans de cotisation à, à assurer. Ouais. Et, et alors, de fait, c'est quelque chose qui est beaucoup plus profond que juste cette apparence-là. C'est-à-dire que Rolien Pradier, il représente les élus de terrain. Parce que imaginez euh, vous vous avez 60 ans et puis vous allez être bientôt à la retraite vous voyez que LR est en train d'abonder sur le fait que il faut avoir toutes les annuités etc et vous allez saisir vos vos députés de proximité par exemple nous on pourrait aller voir Monsieur Brun voilà qui est qui est LR hein, et, et lui dire bon euh, dis coco euh, moi j'ai pas envie de, de crever avant d'avoir la retraite parce que on a on a dit qu'il y en avait qui avaient appelé assassins euh, ceux qui repoussaient euh, l'âge de la retraite plus loin ça a fait un scandale mais c'est des vrais assassins c'est vrai quoi il y a, y a des gens qui ont 60 ans qui n'auront jamais la retraite qui mais, ne l'auront jamais un français sur quatre passant pas 2 ans ouais c'est ça c'est n'arriveront un... pas à 64 ans. Donc, 30% des Français, enfin 25% actuellement, n'arrivent pas à la retraite. Voilà. Et, et, et c'est comme par hasard toutes les, tous les gens qui sont des couches vraiment très populaires. Voilà. Hein, c'est pas les autres. Donc, voilà. Il y a un vrai débat là-dessus quand même. C'était ouvert. Et alors, donc, euh, les, les élus de terrain, euh, bah, ils sont d'accord avec Aurélien Pradier, même ceux qui sont LR. Ils sont pas d'accord avec Chou. Oui, en, bien, sûr, en, bien sûr. Il y en a 32 qui ont voté euh, l'autre fois pour le. Pour, pour, pour le contre la loi là qu'ils avaient fait pour les 1200 euros donc euh, oui bien sûr il y en a qui sont contre mmh. ils sont pas et ben c'est qu'ils veulent leur, leur mandat hein. ah. <laughs> alors alors quand on dit qu'on est contre cette réforme ça veut pas dire qu'il n'y a pas des solutions il y a plein de solutions qui pourraient être envisagées hein. taxer les milliardaires euh, remettre l'ISF par exemple il a pas que ça payer hein. les femmes de la même par façon exemple, que les hommes par exemple taxer les dividendes ça serait quand oui, même pour un, voilà, un, on un a plein livres, les, pas... les, les, les taxer les transactions financières, euh, taxer les machines puis, qui, qui petit à petit remplacent les ouvriers, enfin, il y a plein, plein, plein de choses qui seraient possibles. Oui. Voilà. Et euh, faire la chasse aux, aux, évasions, aux évasions fiscales, aux paradis fiscaux même. Puisqu'on produit, chaque individu produit 40 fois plus. Au début du siècle, au début du 20e siècle, pardon, 40 fois plus. Donc en fait, c'est pas un problème de sous, c'est pas un problème de. Mais le, le, le corps, il dit, il, dit, fois, il y avait le, donc le responsable du corps, là qui était au Sénat, oui. il annonçait bien la couleur, il dit, mais le, le, le pourcentage de, de, pour les retraites sur le PIB n'évolue pas. Oui. Euh, c'est toujours au même taux. Oui. Donc euh, maintenant, comme dans 5 ans, comme dans 10 ans, le tour de prélèvement est toujours le même, c'est des choix après, c'est des choix politiques. Voilà, c'est des choix politiques. Alors voilà, on a un peu fini sur, sur ce sujet, on est allé un petit peu vite parce qu'on en avait un autre qu'il qui qui faut qu'on développe, c'est sur EDF. Alors là, euh, je te laisse, Amalia, euh, parler un petit peu d'EDF, euh, peut-être l'historique, je ne sais pas. Oui, mais ben, en fait, euh, ce qu'on voudrait euh, un peu décrire, c'est pourquoi on en arrive à des tarifs tels qu'on les connaît aujourd'hui. Et pour bien comprendre ça, pour bien comprendre tout le cheminement, en fait, il faut partir du début. Donc au début, le début d'EDF, c'est 1945, après la Seconde Guerre mondiale. Euh, donc le pays est à reconstruire et, euh, et, et on considère que l'énergie, c'est quelque chose d'éminemment de, de stratégique. Ça l'est toujours aujourd'hui. Je pense que ça, il faut vraiment qu'on le garde en tête. L'énergie, c'est vraiment un, 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 un élément éminemment stratégique dans, dans le pays. Donc en 1945, euh, le gouvernement décide euh, de, de créer EDF et donne le monopole euh, à l'entreprise. Et donc EDF, il faut bien comprendre que ces trois entités, donc il y a la production, il y a le transport et ensuite il y a la distribution. Le transport et la distribution sont les réseaux. Ça marche comme les routes en fait. Le transport, c'est le, sont les grandes autoroutes, les lignes à haute tension, et la distribution, les petites routes qui viennent jusqu'à la maison. Ce sont les voilà, c'est la distribution. Euh, pour calculer les tarifs que qu'on qu qu'on des des qu'on facture au, au à ce moment-là, on disait aux abonnés. On ne disait pas aux clients. Oui, <laughs> Et ça, c'est une nuance importante. Donc, on se base sur les coûts de production et avec un souci de péréquation, c'est-à-dire deux personnes qui ont le même profil ou qu'elles soient en France, euh, ont le même tarif. Hum. Voilà. Liberté et qualité, il y a marqué. Des, Égalité, hein, sur, sur le, le... tout à fait. Et, et puis, euh, l'Europe arrive... Et euh, on va vous passer tous les détails, mais euh, donc l'Europe arrive avec son, son credo de ultra libéral, de concurrence libre et non faussée. Et là, euh, on va se faire un grand, grand saut et on va arriver en 2010. Oui, même en 2000, d'abord, parce que c'est Jospin qui, oui, 2000, qui, qui nous si introduit fortement, je veux dire, euh, par tous les moyens possibles, cette notion-là de, de de concurrence. Et en 2004, il y a, commence à y avoir l'ouverture au marché. L'ouverture au marché. Et, euh, et en 2010, la loi NOM. La loi NOM qui se décline euh, dans, dans un procédé. Procé Alors, loi NOM, qu'est-ce que ça veut dire NOM alors, nouvelle organisation du marché de l'électricité. Voilà. Hein non, non. Donc, on met en place, pour, euh, pour euh, mettre, appliquer la noix-nomme, on met en place l'AREN. Alors, l'AREN. Alors, c'est un dispositif, l'AREN. Alors, l'AREN qui s'appelle l'accès régulé à l'électricité nucléaire historique et qui est donc ouverte à des opérateurs. Alors, les opérateurs en question, là, tu as Alors, une façon de les appeler, toi alors, on appelle ça les le, 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 le mot euh, comment dire, officiel, c'est les fournisseurs. Euh, mais euh, en fait, ces fournisseurs, qu'est-ce que c'est C'est des gens qui ne produisent pas, qui ne transportent pas, qui ne font rien, en fait, que euh, d'être des traders. Ce sont des traders qui, qui achètent l'électricité sur les marchés et les revendent. En fait, eux, leur travail, c'est de mettre leur tampon sur une facture. C'est tout. Alors, en quoi consiste la reine Quelqu'un veut peut-être prendre. Donc, donc, Arène et Nom, en fait, ont conditionné une façon de redistribuer l'électricité à l'intérieur de ce marché complexe où il y a ces nouveaux opérateurs qui apparaissent. Et donc, euh, la loi Nom, elle devait s'appliquer entre 2010 et 2025. Donc, elle a un terme en 2025. Et qu'est-ce qui devait se passer entre 2010 et 2025? Dans les 15 ans, les opérateurs devaient petit à petit euh, à réinvestir, puisqu'on leur ouvrait un quart de, euh, de, du marché de DF qui était vendu à 42 euros, alors avec un chiffre qui était fixé complètement de façon oui, aux doigts mouillés. Et, et donc, on disait, euh, maintenant, le mégawatt-heure va te coûter euh, tel prix. Euh, on a fixé le tarif. Et donc, euh, les opérateurs pourront l'acheter et le revendre, comme tu disais, des traders là, sur le marché. Hein. Voilà. Et donc, ça, ça représentait le quart de la production d'EDF. Voilà. Et 100 TWh. De, voilà. Et, et pendant 15 ans on va leur ouvrir complètement ce marché-là de cette façon-là, sans aucune condition. Et la seule condition aussi, quand même, qui était un petit peu derrière tout ça, c'était qu'eux devaient profiter de ces 15 ans pour petit à petit se mettre à produire eux aussi. Hein, et, et donc investir l'argent qu'ils gagnaient pour produire. Mais... mais. Mais en plus, il y a eu beaucoup, beaucoup d'aide. L'État a fait beaucoup d'aide pour le photovoltaïque, le photovoltaïque et les éoliens. Donc non seulement euh, ils ont profité de, de, de ces subventions, mais juste quand il y avait des subventions. Quand il n'y avait pas de subventions, qu'il n'y en avait pas assez, ils ne sont pas Donc ils ont empoché les sous, une fois avant vente deuxième fois avec les subventions. Et, mais ils n'ont pas joué le jeu, ils sont loin d'être autonomes. C'est bien pour ça que maintenant, là, avec 2025 qui approche, euh, le gouvernement euh, voulait passer euh, à privatiser EDF. ça partie. Dans une vidéo euh, que, que tu nous avais suggéré de regarder, euh, Denis, hein, euh, qui, qui, qui s'appelle Le Bourbon de Serge, avec un député PS qui s'appelle Philippe Brun et un sénateur euh, PC qui s'appelle Fabien Gué, on nous explique un petit peu tout ça. Donc, moi, je vous conseille d'aller voir sur, euh, sur Internet. Hein, vous tapez euh, Bourbon de Serge et puis EDF, vous, vous allez trouver, hein, sans problème. Et il nous explique les arnaques. Donc, la première arnaque, c'est cette histoire de 42 euros, Ou euh, imaginez quand même une entreprise qui produit un truc. On, on les oblige à vendre à prix euh, le plus bas possible euh, quelque chose que après on va après on va faire concurrence. <laughs> non, Donc c'est un peu délirant comme là, truc. En plus à une époque 42 euros c'était pratiquement le prix qu'on pouvait trouver sur le marché. Voilà. Et des fois c'est moins cher. Donc, donc les, les concurrents d'EDF n'étaient pas obligés d'acheter EDF EDF était obligé de leur vendre mais eux ouais. ils n'étaient pas obligés d'acheter mais en fait il y a trois arnaques successives les unes sur les, qui s'emboîtent les, sur les autres parce que donc il y a une deuxième Ma arnaque c'est que à un moment euh, ces entreprises euh, avaient, le, le, avaient la possibilité en fait d'utiliser ce qu'ils appellent le principe de contestabilité parce que euh, euh, comme ils vendaient un petit peu plus cher parce que là il y a la crise énergétique qui est arrivée donc ils ont commencé à monter les prix et puis se sont retrouvés plus compétitifs par rapport à, à edf donc ils ont obligé edf à augmenter ses tarifs pour rester compétitifs donc c'est la deuxième arnaque et puis la troisième arnaque c'est le bouclier tarifaire que nous a foutu bruno le maire qui, qui coûte quand même 100 milliards sur deux ans pour, pour arriver à permettre entre autres au boulanger, ce qui est très bien, hein, de, de pouvoir continuer à acheter euh, l'électricité sans que ça soit complètement délirant. Et donc, ils ont obligé, quelque part, ces, ces, ces opérateurs à baisser les prix à 280 euros euh, bon, le mégawattheure. Mais euh, tout ça, ça s'est passé évidemment avec de l'argent public qu'on qu qu refile. Et donc, en fait, c'est un petit peu comme si le public finançait EDF, puis ensuite finançait les opérateurs qui trahissent EDF qui est, en plus c'est obligé EDF enfin voilà, c'est une arnaque à tous les étages et c'est une triple arnaque c'est ah oui, scandaleux oui, c'est scandaleux c'est sidérant en fait ouais. c'est sidérant et. Euh, <coughs> vive le libéralisme <coughs> voilà parce qu'à la base euh, le, le dogme c'est de de, 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 de je ne trouve plus mes mots. À la base, <laughs> on libère le marché pour que ce soit plus efficace et moins cher. Et finalement, on part d'un système qui était très simple, très efficace et bon marché, et on se retrouve au final avec une usine à gaz qui a coûté énormément d'argent à l'État et surtout, surtout aux clients. Ouais. Voilà, c'est exactement comme pour les autoroutes. On a acheté les autoroutes. Maintenant, c'est des opérateurs comme Vinci, etc., qui utilisent les autoroutes et qui nous font payer les, voilà, les, les, le péage. Et on paye plusieurs fois ce que l'on a déjà payé. Mais on, a, on est au quiz. Il faut qu'on finisse ce quiz. Oui, ça va être juste. <laughs> bon, alors, le, le quiz, c'était le, le sucre. Donc, voilà, le sucre, c'était. Euh, c'est lui notre ennemi et notre ami. Donc, euh, bah, l'excès de sucre. Alors, je vais vous citer tout ce que ça peut vous amener. L'excès de sucre alors, favorise le surpoids et l'obésité, augmente le risque de diabète de type 2, favorise le vieillissement prématuré de nos cellules, nous expose davantage aux maladies cardiovasculaires, augmente le risque de maladie du foie gras, perturbe notre flore intestinale, favorise l'odeur et la dématérialisation de l'organisme, augmente la fatigue chronique et l'affaiblissement physique, peut favoriser l'hypertension activité chez certains individus et augmente le risque de cancer. Donc attention, 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 attention au sucre. Attention au sucre, voilà. Et on a des publicités à tous les étages qui nous ah expliquent oui. que c'est vachement bien. Ah oui, oui, oui Et je peux rajouter, le sucre c'est 1 200 000 morts en Europe par an. Ah. Donc euh, on, Et chaque année, on nous a fait tout un pataquès avec le Covid, mais alors le sucre c'est. Ah, c'est autre chose. Bon, à bientôt, bon courage. Allez, au revoir. Au revoir. Au revoir.